Je m'appelle Virginie, j'ai 42 ans, je suis propriétaire de deux magasins Léonidas, un sur Carpentras et un sur Orange. J'ai débuté mon activité en tant qu'hôtesse de caisse à Carpentras. Suite à cela, j'ai été gouvernante chez des particuliers. L'envie d'être à mon compte depuis de nombreuses années était présente. De ce fait, j'ai décidé de rejoindre la marque Léonidas qui m'a accompagnée lors de la création de mon magasin sur Carpentras. Je connais cette marque depuis que je suis petite car j'offrais ces chocolats à ma maman pour son anniversaire ou la fête des mères. C'est pour cela que j'ai voulu rejoindre la marque Léonidas car j'aime l'esprit de famille qui y règne et l'accompagnement que l'on a jour après jour. Le réseau nous accompagne dans l'implantation, la négociation et la mise en place des magasins. Au niveau marketing, nous avons un accompagnement tout au cours de l'année, publicité, radio, télévision, dans les magasins au niveau des vitrines et des promotions saisonnières pour les temps forts de Noël, Saint-Valentin, Pâques, fête des mamans et tous les moments importants du chocolat. À l'ouverture d'une boutique, Léonidas nous propose un parcours complet de formation. La première partie de la formation se passe sur Internet via la plateforme e-learning. La formation se poursuit en immersion en Belgique, au siège, pour nous permettre de rencontrer les différents services, de la partie marketing au maître chocolatier. La troisième partie de la formation s'effectue en magasin en France avec une formatrice de réseau qui va nous apporter toutes les clés nécessaires pour développer au mieux notre magasin. Léonidas, c'est déjà une notoriété internationale. Des produits de qualité irréprochable, 100% pur beurre de cacao et un prix très abordable. On peut compter sur nos maîtres chocolatiers pour nous créer de nouvelles recettes tendances chaque année. Après le succès que nous avons rencontré sur Carpentras, nous avons décidé de dupliquer le modèle et d'ouvrir nos boutiques sur Orange. À l'avenir, si l'occasion se présentait, nous n'hésiterions pas à faire une nouvelle fois confiance à Léonidas.